Hier, j'avais tellement faim, je réfléchissais à quoi manger. Je me suis dit, ah, mieux, je vais un peu me balader et puis peut-être je vais trouver quelque chose à manger. Mais voilà, dans mes marches, je vois un couple là qui s'avance vers moi. J'ai dit, waouh, regarde ce beau couple, la femme est magnifique. Dès que le couple arrive à mon niveau, le monsieur s'arrête. Il dit, hé, chérie, regarde, regarde la fille là. Elle a les cheveux naturels, elle n'a pas de faux cils, elle n'a pas de faux ongles, elle n'a pas de make-up. Je crois que tu devais suivre son exemple et je la trouve magnifique comme ça. Et moi, je me mets à rire. Je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qui vous fait rire? Je dis, Monsieur, moi que vous voyez là, c'est la pauvreté qui m'a rendu comme ça. C'est la pauvreté qui m'a rendu comme ça, sinon. Tout ce que vous avez cité là et tout ce que j'ai. Sa femme se met à rire. Et le monsieur, lui, il était juste dépassé. Il n'a plus rien dit. C'est clair. Maintenant, on ne met plus quelqu'un dans le cœur. On te met au dos. Tu as fait façon, façon, on défait le pain, tu tombes et puis on avance, on passe à autre chose. D'ailleurs, moi, Dieu m'a jamais dit que tout le monde va m'aimer. Il m'a jamais dit ça. Donc, si tu me détestes, tu joues seulement à la liste de ceux qui me détestent. Ça ne fait rien. Les filles là même font pour se concentrer sur leurs activités, le boulot, tout ça là. Moi là, c'est garçon seulement qui est dans ma tête. Hein. Ah, c'est ça seulement. Que quoi? Que quoi? Que quoi? L'histoire de chercher l'amour de sa vie là, moi je suis plus dedans. Je prends mon démon, je verse huile d'onction sur lui et on continue ensemble. Où sont les gens qui maîtrisaient anglais quand on était à l'école là? Go to speak, spoke, spoken. Go break, broke, broken. C'est comment? À l'ambassade des États-Unis. En 2023, là, actuellement, là, tu m'écris, je t'écris. Tu m'appelles, je t'appelle. Tu m'oublies, je t'oublie. La vie, c'est 50-50. Comprendrais? Aïe!